This video is brought to you by NordVPN. What's up guys? Salut, this is Alex and yes, this is the Mother Sources series. In today's episode, the question is very simple. Have I got what it takes to be a saucier? Can I make a jus? So if you remember well, in episode number 2, I asked Romain Mauduit if he would be kind enough to review my sauce skills. J'utilise un petit peu ce que j'ai appris ici. Refais un fond, je refais un jus. J'aimerais bien vous la faire goûter en fait un jour. Ah oui, il faut. I feel a bit like this episode is a MasterChef episode. Gordy bouncing around like he needs to take a wee. You've got a few hours to complete your best jus. Off you go. It's f***ing raw, you donkey! So, I'm not gonna try to innovate, okay? I'm gonna try to replicate instead exactly what I've seen. Chicken jus that is non-thickened. I'm gonna face judgment. It's like the apocalypse. Onions, celery, mushrooms and carrots, parsley, thyme, rosemary, bay leaf, garlic, butter, chicken, and right here I've got my own house-made chicken stock. I need to build layers of flavor. Building a fond in the US sense. Do it once, deglaze, get that precious liquid out and start again. You need first to discard the fat before you deglaze. Let's do it. I'm only trying to create color, because I know that color means flavor. First, the greasing. This is the fat that I managed to get out of my frying pan. Glazing number one. I'm only at round one, and I've still got quite a yield. Round two. The grease for the second time. Third and final round. Back in the pan. Last ladle of stuff. Oh! 3 rounds of degreasing and deglazing and roasting and frying and all these aromatics. All this for that. Behind this layer of fat lies a little jus. A Michelin star chef is about to taste this. Ding dong, hello. I just made some shit. It's not a sauce yet. It needs to be turned into a sauce. So let's do that. Add a clove of garlic and a sprig of thyme. I need to finish that sauce by thickening it slightly with cold knobs of fresh butter. Roasted chicken, big time. Balsamic vinegar. I can't see why this wouldn't work. Ah, oui. I'm gonna pack this up, hop on my bike, and we see us at the chef's place. Wish me luck. Right, so just to give you a bit of context, the tasting will not happen at the 5 restaurants, so the 3 Michelin star restaurant of Chef Lesquer, but at his place, just because the place is closed at the moment. Anyway, never mind, it's gonna be just fine. Am I excited? Yes. Am I scared? Terrified. Terrified. Bonjour chef. Comment ça va? Comment ça va et vous? Bonjour. Bonjour Alex. Comment ça va? Ça va et vous? Super. Ouais. On va pas le réchauffer à la casserole, on va faire comme beaucoup de gens, on va le réchauffer au micro-ondes. Oh non, c'est vrai? Mais si, c'est pareil, un bon micro-ondes bien, ça marche, bien réglé, voilà. Est-ce que le jus que j'ai fait, il va pas trancher si on le réchauffe au micro-ondes? Il va trancher dans les deux cas. Il va trancher dans les deux cas, on n'a pas le choix? Il y a un micro-ondes, il y a
venir. Ça marche, ok. Si on m'avait dit que j'allais utiliser un micro-ondes ce matin, j'aurais pas cru. On va voir s'il est assez chaud. Oh, ça sent bien le thym. C'est vrai, ça sent le thym. Oui. Vous avez été quand même généreux au niveau du thym. Trop généreux? Oui. Un peu trop généreux. Un peu trop généreux au niveau du thym sort. J'ai changé la garniture aromatique à chaque fois. Et j'ai pas changé les morceaux de poulet à chaque fois. Non, on aurait pu, non. On aurait pu tout laisser. On avait laissé, tout laisser. Oui, parce que comme les carottes, elles devenaient de plus en plus petites, elles grillaient de plus en plus, je me suis demandé s'il fallait rajouter un peu de... En tout cas, fraîcheur. Oui, un peu de fraîcheur, ouais. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien? Non. On va le goûter là-bas, du coup, au salon? Ouais, je vais mettre des fêtes de ça. Super, ok, ça marche. Ou deux, là. Je te prends, et puis je vous suis. On va se mettre du coup face à la lumière, tous. Sponsor time. So, as you know, a good part of my work involves going outside le studio. Restaurants, shops, libraries, public spaces with public Wi-Fi. And since I care about my online privacy and my online security, I always use a VPN. And my VPN is actually NordVPN. This VPN is super easy to use. It even has both Android and iOS apps to secure your mobile browsing experience. It's super fast servers, so your browsing, upload, download experience isn't slowed down. Up to 6 simultaneous connections, laptop and mobile easy. Plus, NordVPN has a 24/7 customer support with a live chat and emails. Right now, you can get 68% off a 2-year plan plus one additional month for free when you go to nordvpn.com/FrenchGuy or use code FrenchGuy at checkout. This special offer makes your subscription just $3.71 per month. That's nordvpn.com/FrenchGuy to take control of your internet again. Thank you, Nord, for sponsoring this video. Back to it. Ok. Alors, est-ce qu'il est assez chaud? Ah, moi, je trouve que ce jus, quand même, il est quand même beau. Déjà, la couleur est formidable. Est-ce que la couleur est belle? Ouais, c'est comme un bon vin, il a du tanin. Il a du tanin. Ok. Cache pas. Romain. Mon cher ami. Ouais. Merci. Moi, je trouve... Il est de grande qualité. Si on parlait de défaut, il est un peu trop sucré parce qu'il y a eu trop de légumes. Ah, d'accord. Parce que quand j'ai mis des carottes, je me suis dit que les carottes, ça ajoute quand même pas mal de douceur. Peut-être les carottes. Peut-être les carottes. Je pense de caraméliser. Ah, oui, parce que j'ai beaucoup caramélisé du coup. C'est un jus de volaille. Oui, c'est ça. Mais... jus de volaille, on va sentir la volaille. Plus salé, moins salé? Non, mais il est pas plus. Ça parce que dans, ça. En fait, contre chaque palais dans la nature, vaut mieux mettre moins salé. Là, il est très bien. D'accord, ok. Alors, si on devrait lui donner une étoile, combien d'étoiles on donnerait? Est-ce que ça, c'est tolérable dans un restaurant, une étoile? Pas tolérable. Largement. Oui. On y va, ça, c'est vrai? On y va à 2 étoiles. Ça, c'est tolérable dans un restaurant de 2 étoiles? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour passer à 3 étoiles? Qu'est-ce qu'il lui faut à ce jeu? De l'âme? Il faut lui donner de l'émotion. De l'émotion. De la passion. Enlever les légumes, mettre quelque chose que... En disant, mais ouais, mais ça, c'est un jus. C'est, on va dire, en disant, ouais, mais il n'est pas comme les autres. Mmh. On voit qu'il y a du tempérament dans le jus, du caractère dans ce jus. Il y a un caractère aussi un peu sexy, un peu féminin. C'est sûr qu'il y aurait un truc comme ça. Mais non, hey, si vous me le prêtez là. Je vous le prête, il est pour vous. À midi, je me suis fait des petites carottes, tout simplement. Ouais. Et ça va faire. Venez voir. Ouais, vous avez 2 minutes? Ouais, on est là, c'est parti. Ouais. Voilà, on va nier et on appelle ça glacer un légume. Voilà, exceptionnel. Vous voyez? Ça va donner un petit jus. Ce petit jus de volaille va nourrir mes carottes. Ça va donner un bon goût. Je trouve ça extraordinaire. Et surtout, j'ai rien à faire. Et écoutez, je passe tous les matins avec un jus frais, comme ça vous pouvez faire vos carottes. Voilà. Bon, merci beaucoup, chef. J'espère que vous allez continuer parce que vous avez un sacré palais et vous savez faire. Un peu moins de légumes. Un peu moins de légumes, ça marche. Au revoir. Allez, au revoir. Merci en tout cas. Merci. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Vous avez rien oublié? Non, je crois qu'on est bon. Merci beaucoup, chef. Au revoir, allez. Et bonne journée à vous. Salut. Wow. À
I can't tell you people how happy I am at the moment. I'm basically over the moon. I know my sauce is not perfect. I know my jus is not a 3 Michelin star jus, but still, it could be a 2 Michelin star jus. This is not something you can take away from me now. Problem is, reduction sauces are such a small part of all the possible sauces of the universe. I know I've got much more to explore. I've been enjoying this moment so much. I hope you guys did as well. So we catch up in the next one. Bye bye. Salut.